liste de noms associés à des substances chimiques ? Sujet Brunhilda Grün, traitement jour 1514. La capacité à s'exprimer de la patiente continue de diminuer. Elle n'arrive désormais plus qu'à prononcer de temps en temps un mot en allemand. La dégénérescence tissulaire se poursuit. Pourtant, peut-être en raison de la réduction drastique du dosage de benzylprotine et de l'augmentation de celui de propitérazine, j'ai pu observer une décélération de 3% de la dite dégénérescence. De plus, et c'est peut-être la découverte la plus prometteuse jusqu'ici, le sujet semble avoir récupéré une fraction de ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. Sujet Craig Spano, traitement jour zéro. Le sujet est un joueur de baseball qui a beaucoup perdu en vitesse, en puissance et en agilité en raison du processus de vieillissement. Le patient se plaint de douleurs intenses au niveau de l'omoplate droite, probablement due à une ancienne blessure. L'objectif de notre approche médicale sera donc double. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure afin que le sujet puisse jouer normalement et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. Traitement jour 128. Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui lui permet de lancer la balle sans aucune crainte. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie 3 heures après l'injection. Mais qui se dissipe environ 4 heures plus tard, en plongeant le patient au creux d'une sorte de vallée émotionnelle, le tout étant accompagné d'accès de tremblement. Traitement jour 341. Les moments d'euphorie et de capacité physique améliorée sont devenus nettement plus courts, tandis que les périodes de dépression et de faiblesse physique semblent s'allonger, accompagné d'accès de tremblements et de tels. Même si nous avons pu atteindre tous les objectifs thérapeutiques, nous allons mettre un terme au traitement.
afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. Mitchell arrondit ses fins de mois en revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. Le pire dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complètement de bousiller la santé des sportifs. Jill, vous savez que vous n'avez pas le droit de descendre. Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Salopard, je devrais vous buter sur le ch... Je ne comprends... Vous ne comprenez pas? Je sais que vous testez vos foutus produits sur cette pauvre gamine. Brunilda? Non, c'est ma fille. Elle est née avec une maladie dégénérative. Une maladie rare, assez proche du syndrome d'Angelman. Seuls 4 autres cas ont été recensés. Et aucun des sujets n'a dépassé l'âge de 5 ans. Mais je n'ai pas pu baisser les bras. J'ai tout essayé. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Cela ne l'a pas beaucoup aidé, mais... Bref, ce même traitement utilisé sur des sujets sains semblait capable d'augmenter leur endurance ou leur réflexe. Il semblait également altérer leur seuil de douleur. Le Reich a fini, je ne sais comment, par entendre parler de mes expériences, et il a cherché à me recruter pour créer des super soldats. Oui, ce Reich-là, c'était à Berlin à la fin des années 30. Je me suis enfui avec Brunilda, et je me suis réfugié dans votre pays. Mais l'armée américaine avait également entendu des rumeurs à propos de mes travaux. Ah, j'ai passé toute la guerre à tester de nouvelles substances sur les soldats. Certaines se sont avérées particulièrement efficaces, il faut le reconnaître. À la fin de la guerre, mes recherches ont été mises au placard. On m'a interdit l'accès aux substances chimiques. Et l'état de Brunilda a recommencé à se détériorer. C'est alors que Dieu a placé Angus Mitchell sur ma route. Je l'avais déjà croisé pendant la guerre, et il n'a pas tardé à me faire une proposition. Je devais fabriquer des substances pour les sportifs, que lui se chargerait de leur revendre. Ma rémunération me permettrait de payer le traitement de Brunilda. Que voulez-vous que je vous dise de plus?
J'ai remarqué que le nom de Yale apparaît en double dans la liste des athlètes que vous traitez. Mais l'une des occurrences est barrée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il y a quelques mois de cela, Mitchell m'a demandé de préparer des substances adaptées à son profil. Mais la semaine dernière, il m'a demandé d'arrêter. Et puis, deux jours après, il m'a redemandé d'en fabriquer. Toutes ces pilules... Qu'est-ce qu'il regarde ? Ne vous en faites pas, Josh. Vous étiez obligé de raconter la vérité pour protéger Brunhilda. J'en aurais fait autant. Terminez d'emballer vos affaires. Et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci, Angus. Ce ne sera pas long. Oh, ma chérie. Tu aimes bien habiter ici? Oui, moi aussi. À cause de ce vilain matou, nous allons devoir partir. Eh oui, ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant, va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Vous savez, je suis désolé, Josh, mais on aura essayé, pas vrai? Hein? Quoi? Que voulez-vous dire, Angus? J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. Angus, qu'est-ce que ça veut dire? Adieu, Josh. T'es content de toi, foutu salopard? C'était des gens bien. J'espère que ça t'a fait du bien. J'adore. Vous êtes bien loin d'avoir tout compris. Donnerait probablement un peu plus de temps. La question était... combien ? Spano vient de s'enfuir par là.
Craig Spano fait son retour. Je vous ai manqué. Vous voulez me voir à la batte? C'est ça. Hey là. Je vais voir ce que vous allez voir. Alors, et qu'est-ce que vous attendez? Allez, balance la contre. Alors, Non. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. On va s'en sortir? Les médecins pensent que oui. Ils l'ont trouvé près de la porte du sous-sol, inconscient. Hein? Pourrait-il que Jill ait bloqué la porte du sous-sol de l'extérieur pour tuer Mitchell? Vraiment? C'est très sérieux comme accusation. Vous êtes vraiment sûr de vous, ou bien s'agit-il encore de l'une de vos théories? J'en suis certain. Jill me l'a avoué lui-même. Mitchell l'a pratiquement forcé à travailler pour lui. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Jill a la gâchette un peu trop facile. En tout cas, je doute qu'il ait vraiment été inconscient lorsqu'il a été retrouvé. Il a dû faire semblant. Pensez-vous que Jill ait pu être impliquée dans les précédents meurtres? Et si c'était Jill qui avait tué son partenaire Randall Lee sur ordre de Mitchell? Une autre sérieuse accusation. Vous en êtes sûr? Non, je n'en suis pas encore sûr. Mais ça pourrait bien être le cas. Attendez. Mitchell ne pourrait-il pas être l'assassin de Randall Lee? Mitchell pourrait-il à la fois rater deux tirs à bout portant
et toucher un type pile entre les deux yeux depuis l'autre côté de la rue. Non, Mitchell n'est pas le tireur d'élite qui a éliminé Randall Lee. Oui, je suppose que vous avez raison. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé la mort de Craig Spano. Cela ne fait aucun doute. Spano a pris des drogues du labo et ça lui a été fatal. Je vois. Mais dans ce cas, combien d'autres athlètes sont actuellement en danger? Et surtout, qui sont-ils? Bobby Yale est-il impliqué? Je n'ai pas pu tout voir, mais notez déjà ses noms. Peter Lowe, Xavier Chains, Ellen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler et, effectivement, Bobby Yale. Merci. Pour une fois, nous devrions sauver quelques vies. Ça va nous changer, pas vrai? Tout ça prouve en tout cas une chose. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous sommes amis, nom de Dieu. Vous auriez dû me tenir au courant. J'aurais dû vous prévenir, désolé. John, surprise! T'aurais pu prévenir ton vieux copain, non? Où est-ce que ce genre de truc ne fonctionne? Et quand c'est moi qui profile un tuyau? Oh. Dégagez-le-moi d'ici. Bon. Finissons-en avec ça. Après la guerre, Mitchell a convaincu le docteur Grün d'utiliser ses drogues pour super-soldats sur des sportifs de haut niveau. Mais Don a découvert ce que tramait Mitchell. Quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces, il a ordonné à Randall Lee de le tuer, tout en mettant ça sur le dos de Yale. Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Don, en quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir. La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment. Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire, il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras. Mais comme ça n'a pas marché, il a demandé à Randall Lee de vous régler votre compte sur le toit du gymnase. Mais Randall a raté son coup et s'est fait capturer. Mitchell a donc ordonné à Jill de lui coller une balle dans la tête, ce qui a fortement contrarié Jill. Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell, jusqu'à découvrir son quartier général. Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé, il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes. Le labo, le docteur Grün et sa fille. Mais Jill a vu là une occasion de se venger de Mitchell. Et il a bloqué la seule sortie, afin que ce dernier périsse également dans l'incendie. Vous pensez que tout y est? À peu près. Mais ne vous en faites pas. Je vais me charger de ce qui reste. Merci pour tout.